Salut les filles, je m'appelle Steve, j'ai 24 ans. Ma passion, c'est le tir à l'arc. Mais aujourd'hui, je suis pas venu tirer des flèches. J'adore bronzer mon petit cul sur la plage. Comme ça, je peux mater les meufs en bikini. Donc si t'es jalouse ou que t'es un putain de cachalot, je te dirai next. Et voici les prétendantes. Salut à tous, moi c'est Mélissa, j'ai 21 ans. Si t'aimes les meufs super bonnes comme moi, file-moi ton 06. Salut, je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans. Je suis bientôt hôtesse des airs, mais ton cœur, je vais l'emmener dans les étoiles. Salut, je m'appelle Tiffany, j'ai 24 ans. Je suis née à Paris. Et aujourd'hui, je compte bien faire ma naissance dans ton cœur. Salut, je m'appelle Camille, j'ai 27 ans. Si tu aimes les filles honnêtes, d'accord, choisis-moi parce que moi, ma langue, je ne l'ai pas que dans ma poche, si tu vois ce que je veux dire. Salut à tous, moi c'est Sydney, j'ai 19 ans de beauté fatale. Et si t'aimes les filles avec les mycoses vaginales, choisis-moi, wesh. Dans le bus, les filles ne peuvent plus attendre. Elles mouillent toutes d'excitation rien que d'imaginer comment pourrait être Steve. Et elles ne vont pas être déçues. Steve attend la première prétendante avec impatience. Et c'est au tour de Mélissa de commencer. Désolée les salopes, mais ce soir l'aventure va s'arrêter pour vous parce que c'est moi qui vais choisir. Mélissa a 24 ans. Elle a déjà fait jouir un mec rien qu'en le regardant. Elle rêve de savoir compter jusqu'à 42. Et elle a déjà senti les fesses de son chien. Next! Aïe, on dirait bien que le nexteur s'est fait nexter. Ben ouais, je t'ai nexté, mais en même temps, t'as vu ta gueule, on dirait un rat albinos, tu m'as fait débander direct. Tu sais quoi, heureusement que tu m'as nexté, parce que même de loin, t'étais à gerber. Je suis sûre que ta mère, elle est plus bonne que toi, cette grosse salope. I'm back, bitch! Alors, raconte, raconte! Je l'ai nexté direct. Mais attends, c'est pas toi de nexter, wesh, à lui. Non, mais je t'explique, en fait, je next si j'ai envie de nexter, tu vois. Et quand j'ai vu sa tête de rat albinos, là, j'ai dit no, attends, ouais. Attends, c'est un animal? Et wesh, ils veulent concerter avec des animaux ou quoi, wesh? Mais elle est con ou quoi? C'est un humain, c'est juste qu'il a une tête d'animaux, c'est tout. Oh, ouais, moi, je vous laisse réfléchir parce qu'en tout cas, je vais me le taper. Bonne idée, Tiffany. Surtout que Steve commence à s'impatienter. Tiffany a 24 ans. Elle a déjà eu un fou rire lors d'un enterrement. Elle n'a pas de téton sur son sein gauche. Et elle trouve ça rigolo de faire pipi debout. Salut, moi c'est Tiffany. Et toi c'est quoi? Fur. Ok, hyper bizarre comme prénom, mais d'accord. Non, moi c'est Steve. Mais comme t'as dit quoi, moi j'ai dit Fur. Ah j'ai rien compris. Tu sais, c'est la blague, le truc qui coupe les cheveux avec les ciseaux géants là. Le coiffeur. J'ai pas compris, mais ça a l'air trop drôle. Ok, laisse tomber tes troconnes. Moi, je te propose une activité, ça te dit? Bah, pas de soucis, je te suis, mon prince. Ah non, c'est toi, prince. Arrête, t'es chaud. Dans le bus, les filles s'occupent comme elles peuvent. Les filles, entre nous, Tiffany, vous la trouvez comment? La pire fille, là, c'est ma mère. Non, mais je vous le dis, c'est la pire fille. Et franchement, elle a pas l'air trop conne, celle-là. Elle a l'air tellement conne, moi, j'ai même pas envie de la connaître. Ah, non, en plus, elle pue. On est d'accord? Elle pue le caca, ouais. Elle sent le chou. Tu sais qu'elle sent? Elle sent le chou par. Ok, tu vois la cible? Ouais, je la vois. Et bah le centre, ça représente le centre de mon cœur, okay, ok? Plus tu viseras au centre et plus tu viseras mon cœur et ça veut dire que tu pourras sortir avec moi, ok? T'as déjà fait du tir à l'arc? Bon, c'est fait. Ok, je m'en bats les couilles. Il faut que tu te cambres comme ça, là, voilà, que tu sois bien ferme, comme ça, et que tu t'apprêtes à tirer 3, 2, 1 et tire! Waouh, t'es une putain de merde! Tiens, je te laisse une seconde chance, je vais te montrer où est-ce qu'il faut que tu vises. Regarde, salope, faut que tu vises ici. Ah la vache! Ah pute! Pute, 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 colasse, next! Bah, j'y peux rien, tu m'as dit de tirer là, donc bon... Pute de merde, colasse! Ah oui, on dirait bien que Tiffany ne va pas ken. Si, j'ai tiré dans la cible, alors pourquoi tu m'as nexté? Est-ce que c'est parce que j'ai pas compris la blague? Réponds-moi, Steve. Ah, mais je parle à la caméra. Non, mais... Pardon. Il m'a nexté. Oh! Amélie, c'est à toi. Alright, bitch. Salut! Défends-lui le cul, wesh! Amélie a 24 ans. Elle a un tatouage entre les orteils. Elle a déjà brûlé la maison de son ex. Et il ne lui reste que 10 jours à vivre. Salut, je m'appelle Amélie, mais tu peux m'appeler Amélie si tu veux. Ok, ta gueule, je suis pas sourd. Ça va, tu te fais pas trop chier dans le bus? Si, c'est toute déconne, mais t'inquiète pas, la mieux, c'est moi. Bah, j'espère bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis bientôt hôtesse de l'air, mais en attendant, je suis prof de danse. Ah ouais, carrément. Tu peux me montrer ce que tu veux? Ouais, grave. Next. T'es sérieux là? Je m'en fous. T'es trop moche. Là, j'entends rien. Salope. Steve, t'as pas aimé ma danse? C'est dommage, j'avais chaud. J'aurais pu continuer à poil. Meuf, t'es sérieuse? La tectonique, c'est plus à la mode depuis au moins 2 semaines. C'est moi ou ta mère, c'est juste une grosse salope? Amélie retourne dans le bus avec seulement 1€ en poche. Allô? Il est moche et en plus, il comprend rien à mon art. N'importe quoi, ça c'est parce qu'il t'a nexté, du coup t'es dégoûté, wesh. Wesh, et wesh, tu recommences ça toi, la vie de ma mère, je te défonce, ok? Bon, les débiles, maintenant c'est à mon tour, c'est moi qui vais. Allez, let's go.
Allez, nique-le bien, wesh! Camille a 27 ans. Elle ne sait toujours pas faire ses lacets. Elle a eu son pack, mention très bien. Et elle a la phobie des vide-greniers. Salut, je m'appelle Camille. Enchantée. Salut, moi c'est Steve. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Ah ouais, 27 ans? Putain, t'es super vieille. Moi j'en ai que 24. T'inquiète, j'adore les milfs. Également, la même. Ok, je te propose un petit jeu, d'accord? Je vais te bander les yeux et va falloir que tu devines des objets que je vais te faire toucher. Si t'arrives à trouver ce que c'est, ça veut dire que t'as un bon sens de l'orientation et que t'es faite pour moi. Ça te dit? Ok, c'est parti, let's go, on y va. Et genre, à un moment, je me retrouve comme ça. Là, ma tête, elle fait Et là j'ai perdu ma dent, wesh. Mais tu faisais du skateboard. Mais là je suçais, wesh. Ah, oui. Toi t'as jamais sucé, ça se voit. T'as la bouche pure. Alors ça, la texture, je dirais une peluche éventuellement. Ouais, c'est ça, ouais. Hop, objet suivant. Alors, ah, très facile pour moi, ça je suis familiarisé avec l'objet. Je dirais dans ma bulle, l'album de Jams, le premier, c'est certainement le meilleur. Putain, t'es trop forte. Ok, je te fais toucher le dernier. File ta main. Oula! Alors ça, je sais vraiment pas ce que c'est, puisque déjà dans ta prémission c'est minuscule. Je dirais que c'est quelque chose du type un peu déshydraté, genre ridé, peut-être un fruit sec. Je dirais un pruneau. Un pruneau, t'es sérieux toi? C'est ma tombe, meuf! Elle est super grande en plus! Next! Tire-toi! C'est par contre une énorme queue! Elle est super grosse! En plus, elle est super gentille. Steve, ton vieux pruneau déshydraté tout minuscule, tu te le gardes pour toi parce que moi, je préfère encore les grosses bananes d'ajouteuses. C'est quoi le délire? C'est parce qu'il y a des caméras que tu te sens obligé de dire à tout le monde que j'ai un micro-pénis? Je suis sûr que même ta mère, elle en a jamais vu une aussi grosse. Cette grosse salope. Camille retourne dans le bus sans nouveau petit copain. Peut-être que Sydney saura faire chavirer le cœur de Steve. Alors, horrible, il est dégueulasse et en plus il m'a fait toucher son truc, une mini pite. Je te jure, Sydney, c'est à ton tour, vas-y maintenant, tu vas voir. Je vais faire de misère la vie de ma mère. Sydney a 19 ans. Elle a déjà bu un litre d'eau de Javel. Elle est déjà sortie avec 5 garçons en même temps. Et elle déteste les endives au jambon. Steve va-t-il enfin avoir un coup de cœur pour une des prétendantes? On l'espère, car Sydney est la dernière. J'essaie de faire la connaissance, si Dieu le veut. Je m'appelle Sydney. Salut, moi c'est Steve. Ah ouais, comme Stevie Wonder. Bah, tu sais quoi, j'essaie de te connaître parce que franchement, j'étais dans le bus et genre ça me saoulait. Genre les meufs, c'est des gogoles, ouais, c'est des salopes. Ouais, ta gueule, moi c'est pareil, elles m'ont trop saoulé. Toi, au moins, y'a un truc que j'aime bien chez toi, je sais pas, c'est ta naturalité, tu vois. Et toi, tu me trouves comment? Bah, t'es gentil. Ok, bah, vu que t'es plutôt sympa, je te propose un truc. C'est de mettre ce petit pyjama là. C'est quoi, wesh? C'est un léopard, c'est mon animal préféré. Si tu le mets et qu'il te va bien, ça veut dire que t'es faite pour moi. Oh! Sydney a enfilé la tenue de Steve. Elle est maintenant prête. Ok, ce que je te propose maintenant, c'est une petite course en trottinette électrique. Le dernier qui arrive, il devra faire un massage à l'autre, ok? Ouais. T'en as déjà fait? De quoi, de la trottinette? Ouais. Non, mais j'ai déjà fait du vélo, je cherche la même chose, sauf que c'est pas du tout la même chose, ok, wesh. Ta gueule. Bon, allez, 3, 2, 1, go! Là, c'est long là! Ça fait au moins 3 jours, ils sont partis maintenant, hein! Ça fait 3 jours? Mais on n'a même pas mangé, on n'a même pas dormi! Non, mais... ça fait 25 minutes! Une manière de parler, une expression pour dire ça! Bah, en tout cas, moi les filles, je suis super contente de vous avoir rencontré! Enfin, moi aussi, mais je suis quand même pas venue ici pour me faire des copines! Hein. Ah ouais! Oh, t'as des doigts de seigneur, wesh! Encore appuie comme un fou, vas-y! Mais en fait, t'as un siège maçon ou quoi, toi, wesh? On te broche et tu fais les massages. Bon bah voilà, Sydney, ça fait 27 minutes qu'on est ensemble. Je te trouve méga bonne, je te soulèverai bien et je pense que la chimie elle passe plutôt bien entre nous deux. T'as raison, beauté de minuit. Ouais, ta gueule. Maintenant, je te propose deux solutions, ok? Soit tu repars avec l'argent, c'est-à-dire 27 euros, ou soit tu dis oui pour un deuxième rendez-vous et on se revoit. Sydney va-t-elle repartir avec l'argent ou va-t-elle choisir le second rendez-vous avec Steve? Bah écoute, je vais pas te mentir, la vie de ma mère, Inch'Allah, je trouve que voilà, ça s'est trop bien passé entre nous. Du coup, bah. Je prends l'argent, wesh, bolos. Et c'est tout seul que finit Steve. Sydney repart avec 27 euros en poche. Vous êtes qui, où? Oh. Allô, vas-y, dis. Allez, dis-nous. J'ai pris l'argent, wesh. 27 euros, tu as pris? Mais c'est ton crédit, 27 euros. Bah quoi, 27 euros, c'est... Moi j'avoue, 27 euros c'est de la merde, moi je me suis fait enculer, wesh. J'en ai rien à foutre de toi, Sydney, t'es un putain de cachalot. Les autres meufs du bus aussi d'ailleurs. Et je suis sûr que vos mères, c'est toutes des grosses salopes. Steve, je faisais semblant depuis le début, j'ai choisi l'argent parce que ma maman elle veut plus m'en donner et moi j'en ai besoin pour acheter le maquillage, wesh. Dommage Steve, personne n'est constipé ici, pas besoin de pruneau, bye. Ah!
En fait, ça va.